continent ou la mer? Où finit l'un? Quand commence l'autre? La lumière fait fondre la mer en miroir éblouissant. Saisir la ligne de partage des eaux piège le regard et m'empêche d'aller à la recherche d'une voile gonflée par le vent. Chaque matin où se renouvelle le rivage crée une extrémité qui le sépare de la mer. Mon âme de femme renaît dans ce regard qui m'invite à aller vers lui sans fin pour accueillir l'esprit du bleu infini et l'enrouler autour de mon cou comme un collier de douleur. Comment? Comment le dire? Mais ça ressemble dedans à un utérus en forme de poire. Un pays enfoui dans un autre qu'on ne peut extraire, seulement voir. Sortir de ses entrailles, le vrai, le seul que la vérité peut produire. Il possède deux faces, une progéniture, et chaque jour, à nouveau, je cherche son visage annoncé. Tantôt, c'est une femme vêtue de noir, un paon accroupi à l'entrée du marché sur un panier de raisins secs. Elle a la voix rugueuse, étrangère. Et la longue patience des terrasses de montagne, elle vend pour une poignée de pièces. Tantôt, elle apparaît comme deux enfants, juste avant la Pâque, pendus dans la cour aux branches d'un néflier, dans cette arrière-cour ombragée par un casuarina, un citronnier et un mandarinier dont nous avons connu le bienfait. Parfois aussi, tu ne sais pas comment un pays détourne son visage en te disant « Va, cherche !»